Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute, comme Spotify, YouTube ou Apple Podcasts. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent. Ce n'est pas un débat, c'est un interview. C'est l'interview de Clémentine Luzu, une collègue ergo qui s'est spécialisée dans la petite enfance. Un grand merci à toi Clémentine de prendre du temps pour nous partager ta pratique et ton parcours. Merci à toi. Donc tu es ergothérapeute depuis une dizaine d'années et tu as toujours voulu travailler en petite enfance, donc c'est comme ça que tu t'es spécialisée au fur et à mesure. Donc tu as fait de nombreuses formations comme par exemple sur le portage, sur la DME, la diversification menée par l'enfant ou encore l'allaitement. Tu fais aussi de nombreuses formations sur la parentalité. Je te laisserai expliquer tout ce que tu fais parce qu'il y a de nombreuses choses. Et c'est vrai que ton parcours, je le trouvais intéressant parce que ça me faisait écho. J'ai plusieurs collègues qui s'interrogent sur la pratique en petite enfance et qui souhaiteraient se lancer. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est en plein développement et donc on a encore plein de choses à découvrir. Avoir ton retour d'expérience sur comment tu t'es formée, quels ont été les obstacles, comment tu les as surmontés et quels conseils tu donnerais pourrait être bénéfique pour tous les ergos qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine. Avant de commencer, on va remettre un peu de contexte et je vais te poser la question très générale, mais qu'est-ce que tu proposes et quelle est ta pratique en petite enfance? Alors, ma pratique, c'est que j'ai, on va dire, une pratique deux axes, c'est-à-dire des séances de rééducation classique, comme on peut imaginer avec des enfants avec vraiment des troubles, des reconnaissances de handicap, etc., de tout âge. Et puis, j'essaye vraiment de m'orienter vers la périnatalité, la prévention, des soins centrés vraiment sur la famille, donc les parents, les enfants, les bébés, et de pouvoir intervenir sur tout ce qui est parentalité, vraiment dans le sens prévention. Donc, en lien avec, comme tu l'as dit, l'alimentation, le portage, le massage bébé aussi un petit peu. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'accueil du nouveau-né, l'écoute du nouveau-né, etc. Je pense que je n'oublie rien, l'allaitement, etc. Comme tu l'as dit, on pense souvent que c'est pas forcément, enfin en tout cas je suis très contente de faire ce podcast avec toi parce que beaucoup de personnes pensent que c'est pas forcément notre rôle, y compris des ergothérapeutes par exemple qui sont enseignants. J'ai souvent des étudiantes qui me contactent en me disant qu'ils voudraient faire leur mémoire sur leur sujet et que leur maître de mémoire leur dit faire fausse route, que c'est pas notre rôle, qu'il faut revoir, et alors que pas du tout. Et donc je suis contente, voilà, de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui parce que en effet c'est notre rôle, premièrement parce que justement c'est de la prévention et que la prévention c'est le rôle d'absolument tous les professionnels de santé. Ensuite, que les thématiques comme justement le portage, l'allaitement, etc., c'est pas des thématiques qui sont liées à une profession, mais je pense que si on intervient en se basant chacun sur nos modèles de pratique, ben on reste dans notre pratique, justement dans nos champs de compétences, etc. Donc, suivant comment on le fait, eh ben oui, c'est aussi de notre ressort. Et puis voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. C'est parfait. Du coup, au niveau de ton parcours, donc avant de te lancer en libéral, dans quel domaine tu as travaillé au début après ton diplôme et quand est-ce que tu as commencé à travailler en pédiatrie? Ouais. Alors, pas tout de suite les premiers mois parce que, j'ai trouvé des remplacements mi-adulte, mi-pédiatrie déjà dans des centres de jour pour enfants. Et mon choix était vraiment déjà tout de suite de trouver un poste qui ne soit pas que forcément 100% handicap, entre guillemets. Donc, j'ai mis un an avant de le trouver et j'ai trouvé un poste dans une crèche, donc un an après mon diplôme d'État. Une crèche qui accueillait 30% d'enfants en situation de handicap et dont le projet était vraiment l'inclusion. Donc forcément, c'était des enfants avec du polyhandicap ou de la paralysie cérébrale, donc on était très dans le handicap. Mais en même temps, il y avait ce côté inclusion où on travaillait vraiment avec tous les enfants, etc. Donc ça, c'était hyper riche pour moi. J'ai fait un premier DU sur la paralysie cérébrale, donc pour le coup très neuromoteur. Et puis, j'ai travaillé en tout 3 ans. C'était un mi-temps, donc mi-temps aussi en CESA d'handicap moteur. Et après, quelques années après, après, il y a eu un flou artistique, on va dire, où j'ai dû déménager et puis je n'ai pas retrouvé de poste qui me convenait. Donc, c'est là que j'ai décidé de m'installer en libéral. Au début, un petit peu à contre-cœur parce que j'adorais le travail d'équipe.
Et je n'ai pas intégré un cabinet qui existait parce qu'il n'y en avait pas par chez moi, donc j'ai tout créé. Et puis finalement, ça me plaît énormément. Déjà, petite parenthèse par rapport à ma vie de famille, je trouve que c'est quand même très pratique, même s'il y a une grosse charge mentale, il y a quand même une grande liberté. Et puis surtout, il y a une grande liberté de faire les formations qu'on veut. Donc j'ai pu justement faire ce qui me paraissait juste par rapport à mes convictions, l'orientation que je voulais donner à ma carrière, etc. Donc des formations qui sont pas forcément spécifiques au métier d'ergothérapeute, donc comme on l'a dit, monitrice de portage, massage bébé, DME. Et puis j'ai continué parallèlement, c'est important de continuer à se former donc à des formations plus spécifiques à l'ergo, donc les troubles de l'oralité et les trois niveaux en intégration neurosensorielle. Et là, j'ai fait cette année le DU soins centrés sur le nouveau-né et allaitement maternel, enfin centré sur le nouveau-né et sa famille, extrêmement important comme détail, et allaitement maternel. Ok. Donc en fait, le Voilà. libéral t'a permis aussi de choisir, comme tu disais, tes formations et de l'axer sur ce que tu voulais. Et c'est là que tu as eu cette opportunité vraiment de te spécialiser. Exactement. Déjà, donc au début de ton parcours, d'avoir trouvé un poste en crèche, c'est quand même formidable parce que c'est rare, si je ne me trompe pas. Parce qu'en plus, c'était en milieu ordinaire. Oui, enfin, c'est après, c'était une crèche ordinaire, mais c'était rattaché quand même à une association dont le projet, c'était l'accueil justement de l'enfant en situation de handicap, mais c'était une crèche ordinaire de la ville de Paris. Ouais. Et il cherchait un ergothérapeute ou c'est toi qui allais démarcher? Non, non, ils cherchaient un ergothérapeute et on était deux. J'avais une collègue à temps plein et moi à mi-temps. Et nous, on était salariés parce que comme on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, on était obligé d'être salariés, enfin obligé, voilà, pour que ça soit accessible aux parents et que ça leur soit gratuit. Et sinon, adossé à l'association, il y avait un cabinet libéral avec kiné, orthophoniste. Et donc, eux, c'était le statut classique. Ils étaient, enfin voilà, c'était sur ordonnance, enfin, comment dire, sur voilà, les remboursements sécurité sociale pour les enfants, quoi. Donc, ils intervenaient en libéral. Ouais, voilà. Ouais. Et par rapport du coup au fait que t'es commencé à faire du libéral, est-ce que tu appréhendais de te lancer en libéral? Je sais que ça peut arriver pour certaines personnes. Est-ce que tu as hésité au début? Alors, moi, pas du tout, si ce n'est, enfin, la seule hésitation que j'avais, c'est est-ce que ça va me plaire par rapport à ce côté d'être seule et de ne pas avoir le travail d'équipe? C'était vraiment la seule hésitation. Après, sinon, sur tout le reste, l'administratif, le défi que ça peut représenter, le fait de créer, etc., pas du tout. Parce que de toute manière, j'étais en CDI à côté, donc j'ai fait les choses vraiment au fur et à mesure, sans pression. Voilà. C'est-à-dire que tu avais un emploi en salarié et petit à petit, tu as construit ton cabinet, donc le soir en rentrant du travail. C'est ça, exactement. Et puis après, j'ai d'abord démissionné d'un mi-temps et puis après, j'ai complètement démissionné. Voilà. Mais entre-temps, j'étais enceinte quand j'ai créé le cabinet. Donc, enfin, le début a été un petit peu quand même compliqué par rapport à ça, mais j'avais une super remplaçante qui m'a remplacée 3 fois pour mes deux grossesses et un autre arrêt. Donc, voilà, si elle passe par là, je lui fais un coucou. Super. Et donc du coup, lorsque tu as monté ton cabinet, tu as directement pratiqué en petite enfance ou ça s'est fait petit à petit? Ça s'est fait vraiment petit à petit parce que au début, vraiment, les professionnels, ils connaissaient déjà pas du tout l'ergo, vu qu'il n'y en avait pas dans le secteur et que c'était pas, il n'y avait pas de besoin. Je pense que j'ai des collègues qui s'installent, il y a déjà un besoin, ils sont attendus et on leur dit, ah bah super, il n'y avait pas d'ergo, génial. Moi, personne ne me connaissait, donc j'ai vraiment dû, enfin, personne ne connaissait notre profession, j'ai vraiment dû démarcher tout le monde. Tu as démarché qui, par exemple? Ben, vraiment les médecins traitants, les orthophonistes principalement, en fait, au début. D'accord. Et vraiment, les premiers patients qui me sont arrivés spontanément, c'était des demandes des collèges beaucoup par rapport à des difficultés au niveau graphisme, etc. Oui, quelques orthophonistes. Donc, vraiment les demandes un petit peu classiques qu'on peut entendre par rapport à la caricature, entre guillemets, donc compensation des difficultés graphiques. Du coup, c'est en construisant un petit peu un réseau et en te faisant connaître que tu as permis aux personnes de savoir que tu proposais des formations pour la petite enfance. Ouais. Au début, c'est vraiment beaucoup de temps d'échange, d'informations, de discussions pour leur expliquer c'est quoi notre rôle, ce qu'on sait faire. Après, moi, j'avais cette chance d'avoir travaillé 3 ans en crèche, donc d'avoir cette expérience, ce DU, de pouvoir leur expliquer que j'avais, entre guillemets, déjà les compétences et qu'il fallait les rassurer pour leur dire envoyez-moi aussi ce type de patient.
ou des patients plus petits. Donc, du coup, par rapport à ça, déjà, c'est arrivé au fur et à mesure. Et puis après, moi aussi, je suis jeune maman. Donc, au début, c'était par rapport au bouche à oreille, de pouvoir conseiller, guider des copines et des copines de copines. Et puis après, ben, le réseau s'étend et ça devient quelque chose de plus sérieux, de plus professionnel, parce que ben, une copine, je ne vais pas forcément lui faire payer une consultation en allaitement. Mais voilà, après, c'est quand le réseau s'étend, ça devient vraiment des vraies consultations et voilà. Et après, du coup, ben, eux, ils font des retours de professionnels et après, les professionnels renvoient des gens. Et puis, le portage aussi, c'est par rapport à ça, mes collègues kinés, j'ai quelques collègues kinés qui sont vraiment très attentifs et soucieux de ça. Et donc, dès qu'ils ont des patients avec des déformations crâniennes, ils me les envoient en portage. Après, les parents sont réceptifs ou pas, mais je sais que les kinés adressent beaucoup. Donc, par rapport à ça, quelques retards de développement aussi que les kinés m'adressent. Et puis ben, maintenant, les médecins aussi qui sont attentifs à me les envoyer de plus en plus tôt. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu as monté ton cabinet? Et là, actuellement, quelle est un peu la proportion des accompagnements que tu as? Adaptation à la scolarité, autonomie, petite enfance, t'en es où sur ce point-là? Donc, ça fait 5 ans que j'ai créé le cabinet. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu mon enfant qui a 5 ans, une autre qui a 3 ans. Donc, on va dire que les 3 premières années, c'était un petit peu laborieux. J'avais pas énormément de temps, moi, de présence au cabinet. Donc là, on va dire que ça fait 2 ans que j'y suis vraiment à temps plein. Après, je travaille pas énormément. Enfin, alors du coup, en libéral, si on considère que je fais plus ou moins un temps plein, ce qui paraît, je pense, mes collègues, si je leur disais ce que je fais vraiment pour un temps plein, elles trouveraient ça pas grand-chose, mais on va dire que je fais à peu près un tiers de prise en charge d'enfants classiques, graphisme, quelques prises en charge de compensation de l'outil informatique, des enfants vraiment de tout âge, un tiers de tout petit et un tiers vraiment lié à tout ce qui est atelier, portage, la parentalité, etc. D'accord. Oui, parce que du coup, tu fais des séances pour la petite enfance avec directement les enfants et tu fais aussi des ateliers pour les parents. Oui, c'est ça. Enfin, après, les ateliers, ils sont pour les parents et les enfants, mais voilà, il y a la version sous forme d'atelier, la version consultation classique au cabinet avec des demandes, du coup, pour les plus petits autour de l'alimentation ou d'autres choses. Et puis après, encore un tiers de consultation classique et très variée pour le coup. Alors, pas du tout de paralysie cérébrale, vraiment zéro. Donc, mon DU me sert, entre guillemets, malheureusement, plus à grand-chose aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de demandes de patients. Majoritairement, je pense que j'ai des patients avec des TSA. C'est la grande majorité de mes patients aujourd'hui. Et puis, quelques patients avec des retards de développement un peu inconnus, avec des difficultés autour de l'autonomie à l'habillage, le graphisme, etc. Et du coup, l'année dernière, j'avais 3-4 patients avec mise en place de l'outil informatique. D'accord. Et là, actuellement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer en libéral et se spécialiser en petite enfance, du coup? Ben, je leur dirais de vraiment bien réfléchir à leur projet. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Quelles sont leurs attentes? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir faire des choses très spécifiques encore quand même en lien avec l'ergothérapie parce qu'elles ont besoin de ça et qu'elles ont peur éventuellement, elles ou ils, mais je vais dire elles parce que c'est une majorité, parce qu'elles ont peur, admettons, de se perdre des fois dans quelque chose qui s'éloigne trop de l'ergothérapie, même si moi j'arrive toujours à faire le lien, etc. Mais si, admettons, elles ont peur, eh ben, de faire vraiment que des formations spécifiques, donc comme les troubles de l'alimentation en pédiatrie, par exemple, ou voilà. Et sinon, ben, vraiment de s'orienter par des formations, vers des formations beaucoup plus larges, comme le portage, où je trouve que c'est vraiment très, très riche parce qu'on apprend suivant la formation qu'on fait, mais c'est aussi des choses, on apprend des choses vraiment sur le développement de l'enfant, des choses assez générales. Et c'est vraiment un outil super pour soutenir le développement sensorimoteur de l'enfant. Ça fait beaucoup de liens avec notre rôle au niveau intégration neurosensorielle. Enfin, vraiment, si le domaine de la prévention intéresse les ergothérapeutes en petite enfance, je trouve que le portage, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Après, sinon, comme autre conseil, ben, beaucoup de lectures, mais
d'essayer de trier les lectures. Alors, on a dit en aparté entre nous que je mettrais, je donnerai des références. Voilà, là, je vais peut-être essayer de trouver quelques idées en tête, mais sinon, de toute manière, on les mettra dans le descriptif. D'essayer de vraiment faire beaucoup de lectures, mais pas tout et n'importe quoi, parce que malheureusement, dans le domaine de la parentalité, en termes de lecture, on peut trouver vraiment, enfin, il y a, j'ai envie de dire, X ou Y peut écrire un livre aussi qui peut se retrouver en tête de gondole avec des informations qui ne sont pas forcément justes dedans. Donc, c'est important de, ben, de rester le plus EBP possible et donc de prendre des bonnes lectures, entre guillemets. EBP, c'est Evidence-Based Practice, donc tout ce qui est recherche scientifique. Est-ce que tu as pu lire de la recherche scientifique sur ça en français ou est-ce que c'était principalement en anglais? C'est que en anglais. Ouais. D'accord. En français, il n'y a rien. Et encore plus, si on veut essayer de faire un petit peu le lien justement avec la recherche, en tout cas en ergo. Par exemple, si je cherche ergothérapie et allaitement, en français, je ne trouve rien. Il faut que je cherche forcément en anglais. Ouais. Mais on trouve des choses en anglais. Par contre, si on est prêt à lire l'anglais ou après, il suffit d'utiliser Google Traduction ou DeepL. Mais vraiment, on trouve des choses, y compris sur le portage, y compris sur l'allaitement, on trouve des références avec nos modèles de pratique, enfin, nos modèles de pratique ou en tout cas notre cheminement et notre pensée d'ergothérapeute. Et fait en tout cas par des ergothérapeutes, donc il y a possibilité de trouver des choses. Je reviens sur ce que tu disais, c'est assez intéressant parce que tu proposes à la fois, tu t'es formé en tant qu'ergo par exemple, comme tu disais, au processus sensoriel, l'intégration neurosensorielle que beaucoup d'ergos font, mais tu t'es aussi formé à l'allaitement, au portage qui est pas forcément, en fait ce sont des formations qui sont ouvertes à tous, mais tu es venu en tant qu'ergo, et toi quand tu vas proposer cette formation, tu vas le proposer en tant que personne professionnelle de santé formée à l'allaitement au portage, mais avec ton œil d'ergo. Complètement. Ouais, j'ai vraiment toujours ma casquette d'ergothérapeute, et notamment dans cette casquette-là, enfin dans le côté ergo, qu'est-ce qui fait vraiment lien pour moi? C'est le côté, beaucoup le côté équilibre occupationnel par rapport à tout ce qui est centré sur la famille. Et puis, le côté neurosensoriel, et ça, c'est vrai que je me suis formée récemment, et c'est vraiment, dans les conseils, c'est un conseil aussi. Je pense que c'est vraiment un indispensable. Et du coup, par rapport voilà, à nos connaissances en lien avec le développement et tout ce qui est neurosensoriel, INS ou approche INS en tout cas, bah, tout ça, ça fait vraiment, vraiment du lien. Et c'est dans les casquettes ergo, c'est ça, c'est le côté INS, le côté équilibre occupationnel où je l'ai toujours en tête quand je parle d'allaitement, de portage ou d'autres choses. Et concernant ta pratique, par exemple, ça va être quoi une journée du coup, dans la peau de Clémentine Luzu, ergothérapeute en petite enfance? Tu vas avoir quoi comme cas clinique, comme consultation? Alors du coup, bon, comme je disais, là, je pense que ça, je ne vais pas trop développer parce que tout le monde se projette, mais je vais avoir des demandes de mes patients classiques qui ont souvent environ 6 ans, c'est ma moyenne d'âge au cabinet. Donc des enfants TSA, par exemple, avec des demandes autour de l'habillage, du graphisme, etc. Après, je peux organiser vraiment des ateliers de groupe. Dans ce cas-là, on est plus vraiment dans de la guidance où c'est moi qui vais, les parents s'inscrivent à un atelier, admettons, atelier sur la DME, diversification menée par l'enfant. Donc là, je vais recevoir 3-4 familles en même temps. Et donc, c'est plus magistral, entre guillemets, dans le sens vraiment guidance où c'est moi qui ai un peu le savoir et je transmets ce que je sais à ce sujet. Bien sûr, il y a toujours un temps de questions-réponses pour essayer de personnaliser par rapport à leur projet, leurs demandes, etc. Mais donc, c'est moi qui transmets voilà, les questions. Et puis après, il y a les consultations individuelles, donc sur les mêmes thématiques quand même, qui vont être l'alimentation en général ou la DME, l'allaitement, le massage bébé, le portage, l'accueil du nouveau-né. Ça, je le fais moi en individuel, c'est plutôt ce que j'appelle l'atelier du tout-petit. Et là, on est vraiment complètement dans du partenariat, centré sur la famille. C'est uniquement leurs attentes, leurs questionnements. C'est plus une consultation comme pourrait faire un médecin, par exemple, où il n'y a pas de transmission de savoir particulier, etc. Et ça peut être, par exemple, si je prends l'exemple du portage, ça peut être aussi bien une famille qui a envie de porter et tout se passe bien et ils veulent juste apprendre à porter pour le plaisir. Et là où je remets encore plus ma casquette d'ergo, c'est quand ça va être une famille un peu démunie parce que c'est un bébé qu'ils ont du mal à comprendre, un bébé qui pleure beaucoup, un bébé qui supporte pas du tout d'être posé, qui est tout le temps dans les bras.
Et une famille que ça va vraiment perturber, questionner, ils vont s'interroger. En plus, ils vont une maman, parce qu'au début, c'est beaucoup les mamans, qui va vraiment être démunie parce qu'elle est active et qu'elle supporte pas ben, d'être toute la journée coincée avec son enfant, etc. Voilà, ça peut être, par exemple, j'avais hier en consultation des parents vraiment par rapport à leur projet de DME. C'était en visio. Ils ont commencé la DME, ils se sont fait une frayeur, mais c'est vraiment un projet qu'ils veulent mener à bout. Et donc, ben, ils avaient besoin d'être rassurés, de faire un rendez-vous. Et donc, dans ce cas-là, il y aura simplement un seul rendez-vous parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un trouble et que juste un rendez-vous a suffi à répondre à leurs questionnements. Voilà. Et rapidement, donc la DME, c'est quoi exactement? Donc c'est par rapport à l'alimentation. C'est vrai que c'est peu connu. Si tu devais l'expliquer en quelques minutes, ce serait quoi? Donc, DME, diverses questions menées par l'enfant. On parle aussi d'alimentation autonome. En fait, c'est le fait d'introduire directement des morceaux à 6 mois sans passer par l'étape des purées, sans faire une alimentation un peu ordinaire où on passe d'abord voilà, par du mixé, etc. Et où directement, on introduit les morceaux à 6 mois. Et l'objectif, en passant directement par les morceaux, c'est que l'enfant puisse être le plus autonome possible et on n'a pas à lui donner à manger. Voilà, et où du coup on partage, on mange tous ensemble, ça fait partie un peu de la philosophie DME, du coup ils partagent le même repas que nous, ils mangent la même chose que nous. Et pareil, en allaitement, ce serait quoi les problématiques qui reviennent souvent et comment que tu accompagnes? Alors en allaitement, pour le moment, moi c'est surtout, alors soit c'est des consultations vraiment pas spécialement allaitement, mais troubles de l'alimentation. Et c'est aussi des mamans qui allaitent. Et du coup, ben, c'était important pour moi d'être formée spécifiquement à l'allaitement et de bien connaître l'allaitement pour les enfants que j'accompagne par rapport aux troubles de l'alimentation. Ou alors des mamans qui ont plutôt des questions pour se préparer en projet à l'allaitement, où il n'y a pas de difficultés encore, parce que c'est vraiment juste s'informer pour leur projet. Et quelquefois, ça m'est arrivé aussi des difficultés par rapport à ce qu'on appelle la conduite de l'allaitement, quelques difficultés de succion, de positionnement, etc. Voilà, par rapport à ça, on est aussi vraiment complètement dans la prévention. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur mon compte Instagram, je crois, puisque ben, si on s'informe sur de manière vraiment EBP en plus à l'allaitement, il y a vraiment des bénéfices. Alors, il ne s'agit pas comment dire, de critiquer ou de mettre sur un piédestal l'allaitement versus le biberon. Mais en tout cas, c'est important quand même de savoir que l'allaitement a vraiment des réels bénéfices sur le développement moteur et cognitif de l'enfant. Bah, voilà, à ce niveau-là, de savoir pourquoi on promeut l'allaitement en tout cas. Et par rapport au choix des contenants, etc. Par rapport aux alternatives, quand il y a la reprise du travail ou en tout cas besoin de faire garder son enfant, etc. Et je voulais revenir aussi, t'en as un petit peu parlé, donc tu fais aussi des webinaires de guidance parentale et aussi de soutien des co-occupations pour les parents, si je ne me trompe pas. Oui, le webinaire est pour les professionnels. Ouais. Et là, c'est, enfin, quand on lit, c'est full ergo quand on voit co-occupation. Tu parles de quoi dans ton webinaire et tu t'inspires de quels C'est écrits? vraiment. Pour le coup, parce que je propose en effet d'autres webinaires sur la DME ou le portage et les soins de développement et la science, mais là, c'est accessible à tous les professionnels. Mais là, en effet, comme tu l'as très bien souligné, comme je parle du soutien des co-occupations, c'est un webinaire réservé aux ergothérapeutes. Ben, l'idée, c'est de comprendre un petit peu, donc c'est un format webinaire. Donc là, maintenant, je propose la version 3 jours, mais sur le format webinaire, en 2 heures, c'est difficile de rentrer en profondeur dans les choses. Donc c'est un petit peu d'éclaircir notre rôle dans ce domaine-là, en quoi ça fait partie de notre champ de compétences, de comprendre comment on peut soutenir les parents et soutenir les co-occupations, sur quoi on va se baser. Donc notamment le lien avec l'INS. Et puis, c'est important pour moi aussi par rapport à ça de très bien connaître la théorie de l'attachement. Alors, je ne vais pas faire le webinaire là pendant le podcast, mais du coup, quand on s'intéresse à la théorie de l'attachement, on voit que ça a énormément de liens aussi avec, ben, une fois de plus, l'INS, notre rôle, etc., l'équilibre occupationnel, tout ça, la prévention. Et donc, ça parle de tout ça. Et puis, ça parle de l'OPC, Occupational Performance Coaching, donc un de nos modèles, sur comment on peut intervenir auprès des parents en étant uniquement dans du coaching ou de la guidance ou du partenariat. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais
C'est difficile aussi là de détailler maintenant, mais en tout cas d'être uniquement dans du coaching, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur l'enfant, c'est pas de la rééducation classique, mais on intervient vraiment avec le parent en étant centré sur la famille. Voilà. Donc ça aborde tout ça en 2 heures. Et après, du coup, la version 3 jours, c'est la même chose, mais en beaucoup, beaucoup plus approfondie, forcément, avec beaucoup plus de mise en situation. Enfin, c'est 2 jours, parce qu'il y a une troisième journée optionnelle, voilà, par rapport à d'autres thématiques. Mais... Quand tu parles, ce qui ressort, c'est vraiment la diversité des formations que tu as pu bénéficier. Elles t'apportent vraiment un regard global et on a l'impression qu'au final, tu es toujours dans la prévention, toujours dans le même axe, en fait, et que tu tires des informations un petit peu partout pour accompagner les personnes. Tu proposes aussi des accompagnements massage bébé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est pas. Bah, j'ai moins de demandes. C'est quelque chose que je propose moins, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je peux. Donc, soit c'est des familles qui viennent directement me demander, pareil, parce qu'ils ont des envies de pratiquer le massage d'un point de vue plus plaisir. Pour eux, ça va être. Eux, ils vont avoir des attentes de loisirs. Moi, derrière ça, je sais qu'il y a un intérêt à proposer des massages bébés au niveau proprioceptif, que c'est très intéressant, etc., au niveau du lien d'attachement. Donc, je sais qu'il y a des réels bénéfices. Donc, voilà. Je le propose moi moins spontanément avec ma casquette d'ergo. En tout cas, je m'assure justement qu'on soit bien, que ça réponde bien, que ça soit une solution envisageable pour les parents. Parce que ben, c'est quand même un petit peu contraignant, c'est un engagement, parce que l'idéal, c'est que ça soit routinier, etc. Il faut ben, mémoriser un petit peu. Enfin, en tout cas, masser quelqu'un, ce n'est pas quelque chose, même son propre enfant, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire, ce n'est pas quelque chose de spontané. Donc, je ne vais pas aller, quand je rencontre une famille où les parents, admettons, me disent, le moment du coucher est compliqué, on ne sait pas quoi faire, ça devient l'horreur dans notre famille, admettons. Je ne vais pas leur dire, il va falloir masser votre enfant pendant une demi-heure tous les soirs, parce que je sais à quel point, au niveau de l'équilibre d'une famille, le moment du coucher peut être compliqué. Donc, je ne vais pas aller leur prescrire, entre guillemets, 30 minutes de massage si ce n'est pas quelque chose qui correspond, qui est vraiment, dans leur demande et dans leur attente. Et voilà. Mais en tout cas, je suis contente quand même d'être formée et de pouvoir le proposer de temps en temps et de pouvoir montrer, des gestes, aux familles quand c'est nécessaire. Et donc, tu proposes ce webinaire qui est centré pour les ergothérapeutes, mais tu en fais aussi d'autres et tu as d'autres interventions autour de d'autres Oui, professionnels. du coup, j'ai d'autres webinaires, comme je disais, qui sont liés au portage ou à la DME. Donc, ce n'est pas des formations qui sont spécifiques aux ergothérapeutes. Donc, c'est assez accessible à tous. Et c'était assez important pour moi parce que c'est, en tout cas, dans mon objectif de proposer ces webinaires et aussi d'avoir ce compte Instagram, c'est vraiment d'être dans la pluridisciplinarité parce que je pense que. Pour se faire connaître, parce que c'est compliqué pour nous ergothérapeutes, c'est aussi de travailler encore plus en équipe et de pouvoir informer aussi les collègues de la petite enfance et pas que les métiers de la rééducation, mais aussi les sages-femmes, les éducatrices de jeunes enfants, les infirmières puéricultrices, tous ces professionnels-là de notre travail et donc de leur montrer qu'on a des connaissances et un savoir et de partager ces connaissances-là avec eux. Sous forme de webinaire ou d'intervention ou de formation, comme je propose du coup en crèche, etc. Je trouve que c'est hyper bien pour, sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que c'est hyper bien pour la profession. Et encore aujourd'hui, j'ai une crèche qui m'a appelée, donc ils savent bien sûr, je leur dis hein, que je propose ça, mais eux, je les ai rencontrés avant tout par rapport à un de mes patients qui est chez eux, qui est, j'allais dire, scolarisé chez eux, non, en crèche, on n'est pas scolarisé, qui est accueilli chez eux, ouais, qui est accueilli chez eux, et parallèlement à ça, donc ils savent aussi que j'ai ce côté de formatrice, et donc je les ai rencontrés qu'une fois, et là, ils viennent de me rappeler aujourd'hui en me disant, on fait une soirée à thème le mois prochain, on voudrait absolument que vous interveniez auprès des parents et des professionnels, et je pense que pour moi, c'est ça vraiment qui fera... encore mieux connaître l'ergothérapie. Donc, c'est vraiment d'être dans la formation. Enfin, voilà, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir former et transmettre et en tout cas partager mes connaissances avec d'autres professionnels de la petite enfance. Et ça, c'est l'avantage libéral, hein. On le redit encore une fois, tu as la liberté formation. Et après, tu peux le transmettre aussi par toi en donnant d'autres formations. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour le mot de la fin, comment toi, tu vois l'avenir de la pratique ergo en petite enfance? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je pense que, y a plein de super belles choses à faire, que ça évolue beaucoup,
Il y a plein d'ergothérapeutes qui se forment, qui s'informent. Donc, je suis sûre que ça va bouger. On prend de plus en plus conscience de nos compétences, de nos capacités, de nos savoirs. On se réfère beaucoup plus à ce qui se fait à l'international. Donc, et justement, tout ça, ça se fait à l'international. Donc, on se rend compte qu'on est bien dans nos baskets, j'ai envie de dire. On est de plus en plus EBP, donc ça, c'est super aussi. Après, tout ne dépend pas de nous. Ça, c'est un petit peu la seule inquiétude que je pourrais avoir. Par exemple, là, on sait qu'à la NFE, ils ont lancé plusieurs travaux en partenariat avec les psychomotriciens, par exemple. Donc, un en ce moment qui se fait par rapport à tout ce qui est gériatrie. Et là, il va y en avoir un sur toute la petite enfance. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ce groupe de travail-là, même si tout ne repose pas sur la NFE, il y a aussi le gouvernement, etc. Mais je pense que ce groupe de travail a quand même un gros rôle à jouer. Et tout va reposer sur deux, trois ergots qu'on ne connaît même pas. On ne sait pas encore qui ce sera. Donc, voilà, ça ne dépend pas que de nous. Mais en tout cas, si je dirais les ergots en eux-mêmes, eux, ils font bouger les choses comme il faut, je trouve. Un dernier conseil pour les ergothérapeutes qui souhaitent se spécialiser en petite enfance? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte ou la porte réelle ou en tout cas passer un coup de téléphone ou passer par les réseaux sociaux. En tout cas, de contacter les ergothérapeutes qui ont déjà cette pratique et qui sont à l'aise avec ça ou d'autres personnes qui se lancent en même temps pour se booster, se dynamiser, contacter une collègue avec nous, ça te dirait pas, enfin voilà, qu'on se motive ensemble, j'en sais rien. Parce que en tout cas moi on contacte souvent en me disant j'aimerais bien, je suis convaincue que c'était notre rôle, etc., ça m'intéresse, mais j'ai peur ou je me sens pas capable. Et du coup, je pense que souvent je les rassure et ça leur suffit. Et donc les personnes qui osent pas peut-être de contacter d'autres ergothérapeutes partout en France, il y en a quand même pas mal, je pense, que ça soit en libéral ou même en structure, par exemple, quelqu'un qui est en libéral pourrait peut-être contacter l'ergothérapeute qui travaille dans un CAMS à côté pour demander à passer une journée. On a beaucoup de chance d'avoir un très beau réseau ergo, je trouve, qui s'entraide avec beaucoup de bienveillance. Il me semble qu'il y a un groupe Facebook Petite Enfance, non ? Il y a ergothérapie en pédiatrie, je crois, et Petite Enfance aussi, peut-être, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Clémentine, nous avoir partagé tout ça. Je pense que ça va aider et motiver de nombreuses personnes à partir dans la petite enfance, parce que, comme tu dis, il y a énormément à faire et s'inspirer aussi de ce qui se fait à l'international, parce qu'il y a beaucoup de comme tu disais, d'EBP, de recherches scientifiques qui ont été écrites. Donc, c'est notre rôle et on n'a plus qu'à petit à petit le mettre en place en France. Oui, et il y a de plus en plus de formations sur le sujet. Donc je pense que ça va bouger, c'est plus facile et donc c'est super. Encore merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce podcast. On vous met en description des articles sur le portage, sur la parentalité et les autres thèmes qu'on a abordés avec Clémentine. Certains sont en anglais, d'autres sont en français et il y en a même qui sont téléchargeables gratuitement. Du coup, je vous les mets sur le groupe Facebook Occupe ton ergo où vous pouvez les obtenir. C'est aussi le lieu où vous pouvez nous poser vos questions ou réagir à ce que vous venez d'écouter. On vous répondra avec grand plaisir.